Je déclare The Event 2020 ouvert. Tous à vos lives. Prêt, streamé. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue. C'est bon, le top départ a été donné par Zerator, c'est bon, on peut streamer officiellement, incroyable, c'est le début de ce The Event 2020, très très content de vous retrouver. Mon dieu, Corona, mon cul, tout ça. Je vous rappelle les donation goals hein, qu'on s'est fait pour ce week-end. 100€ la fin du Motonly, donc ça bravo, vous avez déjà réussi. À 3000€, on a dit que je faisais la composition du gouvernement du The Event. À 5000€, je fais un vol Manhattan-Kaboul en écoutant Manhattan-Kaboul en boucle, donc il va prendre tout le week-end hein, parce que y en a pour 18 heures de vol, je vous expliquerai. À 7500€, je joue à LOL avec des députés. À 15000€, on regarde des vidéos politiques vintage. À 20000€, j'annonce ma candidature à la présidentielle. À 20001€, je retire ma candidature à la présidentielle. Et à 49300€, je lance une émission politique hebdo en plateau sur Twitch. Je vous propose qu'on découvre ce formidable jeu qui s'appelle Hades. Tartare! Je connais qu'une seule archère divine, enfin non, j'en connais plusieurs au fait, bref. Ok, par contre je vais mourir, comment on se soigne? Y'a une technique? Sans déconner, comment on se soigne? En mourant. Hydroxychloroquine, vite. On peut caresser le chien? Oh, on peut caresser! Oh, le toutou! Cerber, le molosse gardien des enfers, éprouve diverses émotions en regardant le prince, allant de la joie la plus pure à la mélancolie la plus profonde. Bah je m'en fous, moi tant que je peux le caresser, on peut éprouver ce qu'il veut. Hein. Salut Zerator! Qu'est-ce que tu fais, Zerator? Calme-toi. Anime ton émission, s'il te plaît. Oh la vache, ça me fait stresser, ce genre de jeu. Pense vraiment à Dash le plus souvent possible. Ouais, moi je pense tous les jours à Dash, vous savez. Je peux retourner parler, elle va me redire la même chose. Elles sont lentes, mais le contrefort a essayé de t'écarter. Oh bah, ferme ta gueule. Pardon. C'est extrêmement désagréable. Jean, fais pas ça. Sois malin. Voilà, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, voilà, c'est ça qu'on veut. Yes, le cliché. Fortnite, niveau construction, faut avoir un cardio et bac plus 8 en rapidité. Ah oui, moi j'y comprends rien, moi les mecs commencent à construire des tours Eiffel là. Ou leur écran devient tout bleu parce qu'ils construisent plein de trucs. Allez, pour toi public, je vais jouer à Fortnite. T'arrives au milieu de la saison, tu vas rien capter. Y'a des saisons. Matchmaking, let's go. Qu'est-ce qui se passe? C'est sérieux? Je comprends rien. C'est des joueurs ou... Je comprends rien, c'est pas censé être un Battle Royale. Pourquoi j'ai... Pourquoi je suis tombé dans la tuyauterie des chiottes? Pour atterrir, je sais pas où. T'es parti dans un donjon. D'accord. Alors, apparemment je me suis trompé de jeu. Selon toute vraisemblance, ce n'est pas Fortnite. Qu'est-ce qu'il y a des voitures maintenant? Donc là je suis en solo, machin, tout ça. On va jouer à un vrai jeu vidéo là, on est d'accord. Comment on fait pour danser? C'est quoi les danses de Fortnite? Yes là. Allez. Allez. Putain, je ferais ça à la cour de récréation demain matin. Je joue à Fortnite là ou pas? Non, non, non. Attends, attends. Attends, retire ça. C'est intolérable. Ah putain, c'était ouvert en fait, j'avais pas besoin de péter le truc. Oh putain, c'est douloureux. Oh putain. Oh putain. Waouh, waouh. Top 21. Je suis tombé sur un vrai joueur, rassure-moi. Non, c'était un bot. Ah, je suis mort contre un bot dans Fortnite, je suis très content. C'est un des plus beaux jours de ma vie. C'est sympa les jeux multijoueurs. Hein. Antoine recherche du monde pour Scribble. Ah oui. Ok, let's go les amis. Tu bluffes, mec, c'est pas possible. Quoi? Ah non. Ah, ah. Quoi? Ah. Ah. Vraiment, vraiment. Genre vraiment. Quoi? C'est une photo. C'est une photo. Mais les pandas ils tiennent pas debout. C'est une photo. Faudra que tu m'expliques pourquoi cette couleur, Rivenzy. Ok, c'est...
Il est mort le livre. Maintenant vous l'avez. Maintenant vous l'avez. D'accord. Il est mort le livre. Non mais réfléchis. Il est mort le livre. Think. Non mais là là. Hein c'est quoi le livre est mort. Il est décédé. Ah oui. Ben oui. Ah, je me suis dit pas mort. C'est peut-être un truc qu'on connaît mais pas. Mais vous m'avez trop embrouillé le cerveau. Oh, non. Ah. Ça se précise. Mais pourquoi Minecraft, une queue de carré Minecraft. 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 Qu'est-ce que c'est? Attends, un carré qui saigne. Un carré qui, un cube qui saigne. Attends, mais ça va Antoine ou pas juste? Ouais, vraiment, ça va. Salut à tous, c'est fantastique. Mais pourquoi il saigne? Mais là, c'est double énorme. C'est sa cape. Oh non, mais tu es trop nul. Putain, mais quel enfer. Ok. Est-ce que c'est il est. Je le file au kebab ce chat. Il est suspect à ce feu. Il manque un peu de moustache. Moi j'imagine le chat qui lève la patte comme ça. Il est super badant ce chat, je peux plus le regarder. Je ne sais pas, je l'ai pas. C'est pas mané. Qu'est-ce que c'est que t'en fais? Hello Kitty sombre dans la drogue. Hello Granny. L'Allemagne. On a le droit de faire ça sur Twitch ou pas là? Qu'est-ce que... C'est un prolapse. C'est goatsy. C'est du fist fucking. Elle est très 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 bizarre cette. C'est de la merde. Mais qu'est-ce que c'est? C'est de la merde. Putain, mais qu'est-ce que c'est? Non, c'est Cloug. Je suis perdu. C'est une fourchette? Oh, quoi? Non, c'est du pur. Oh, je l'ai fait, j'étais à deux doigts. Même Maguette, ça me plaît. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mec, c'est trop... Oh putain. T'as vraiment deviné un gnou? Avec deux narines? Il y a des gens dans mon chat qui proposent un truc utile qui est à la fois une donation goal et quelque chose qui serait utile pour nous, c'est une sortie au zoo, tu vois. C'est ils sont sympas. Ouais. Comme ça, on ira voir tout un tas d'animaux pour faire « Ah putain, ça ressemblait à ça !» Alors par contre, il y a Squeezie dans mon chaîne vocale, comment je fais? Est-ce que je débarque comme un connard dans mon chaîne vocale en disant « Bonjour Squeezie ». Squeezie? Ouais. C'est Jean, tu es dans mon chaîne vocale? Oh là là, je suis désolé. Mais je t'en prie, non, c'est pas grave. Je ne suis qu'un parasite dans ce Ziabot. T'inquiète. Au plaisir, je suis encore désolé, navré. Mais je t'en prie. Donc là, c'est le moment où j'ai dégagé Squeezie de mon chan vocal. Il y a mon chan, il y a écrit Jean Massier. Merci beaucoup. Raid de Squeezie, sérieux. Attendez, j'étais en train de remercier 1000 personnes. Pardon, Jean. Merci, mec. Merci beaucoup. J'étais en train de remercier tout le monde. Bienvenue. Attendez, bougez pas. Il faut que je vous parle de mon prochain Donation Goal. Parce qu'il y a écrit Bonatan Kaboul, mais il faut que je vous explique ce que ça veut dire. Ah non, beaucoup trop. Ah non, beaucoup trop. Oh non, vous êtes beaucoup trop. Oh non, putain la vache. Ah mais du coup, on va y arriver. Du coup, on va y arriver au Manhattan Kaboul. On va arriver au Manhattan Kaboul dès le vendredi soir. Mais non, mais vous êtes beaucoup trop nombreux, juste c'est pas possible. Bisous sucrés de Squeezie, désolé Jean. Pardon, excuse-nous. En vrai, ça fait d'autant plus chaud au cœur que bah avec Squeezie, avec Antoine Daniel, avec MV, bah comme vous le savez, on n'est pas à Montpellier. Là, vous apportez beaucoup de chaleur d'un coup. Et là, on va arriver, regardez-moi ça, on va arriver aux 5000 balles. 4980 5003, putain la vache. Ça va beaucoup trop vite. 5000 balles. Mesdames et messieurs, faut que je vous explique. Le but du jeu de ce goal, c'est de faire sur Flight Simulator un vol Manhattan-Kaboul dans les conditions réelles en écoutant la chanson Manhattan-Kaboul en boucle. Alors, faut que je vous explique, parce qu'il y a quand même une spécificité là-dedans. C'est que dans la chanson Manhattan-Kaboul, évidemment, la version de la chanson qu'on va écouter, c'est la version reprise par Zerator et Mister MV. Périsé sur l'autel, la violence éternelle. Il parle d'un avion. Il parle du 747. Ah, 747. Dans le jeu Flight Simulator, le 747 existe. Mais il est bien buggé du cul. Le pilote automatique fait n'importe quoi. On a un risque non négligeable de perdre l'avion en cours de vol. Du coup, on va prendre un autre avion que je connais bien, qui est l'A320, l'Airbus A320. Go faire en 747, sinon c'est pas validé. T'es sérieux, Squeezie? Non, mais ok, on va lancer... On va lancer Flight Simulator, on va se préparer le vol. Hein. Je vous dis juste que je ne peux pas garantir votre sécurité. Je vous le dis, hein, parce que bon voilà, Manhattan Kaboul, il y en a pour 14 heures de vol. De toute façon, on va préparer le vol, ça va prendre une plombe, hein. Je vous le dis tout de suite, on va faire un vrai plan de vol, on va regarder la météo, Enfin, c'est Flight Simulator, quoi, c'est pas un jeu où il se passe beaucoup de choses, c'est un jeu où on prend un temps fou à préparer son vol. One eternity later. Hop, donc on décolle tout droit et on fait un gros virage à droite dès qu'on a décollé. Et évidemment, on met la musique. Ah, 747. C'est bien, 747, comme Squeezie a demandé. Explosé dans mes fenêtres, de
On a l'autorisation de monter à 7900 pieds. On monte à 7900 pieds. C'est vachement compliqué de piloter un avion quand t'as Mister MBZerator qui chante. Allez les amis, moi je vais me coucher. Je laisse le live tourner. Bonne nuit. Des bisous. Le problème, c'est que le 747, il est bien buggé du cul. Et qu'on a un risque non négligeable de perdre l'avion en cours de vol. Go faire en 747, sinon c'est pas validé. T'es sérieux, Squeezie? Je vous dis juste que je ne peux pas garantir votre sécurité. Les armes, les drapeaux, les patries, les nations font toujours de... Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Je coupe la musique. Du coup, on est tous morts là, c'est ça? Ça m'étonne pas. On est morts ce matin. Donc, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je suppose soit un plantage du pilote automatique, soit le fait qu'on a été dans une dépression nuageuse. On va partir de là. Alors. Ouais, donc ça commence bien, on est déjà en survitesse, super. Ah oui, on va faire une annonce. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are arriving in the Kabul city. Thank you very much. Brace for impact, machin. Préparez-vous au décollage. Remontez votre tablette. Remontez votre siège. Arrêtez vos conneries. Et préparez-vous. On va atterrir et on va bientôt changer la musique. Ça va vous faire du bien. Et ben voilà, atterrissage à l'aéroport international de Kaboul. Départ de Manhattan, il y a 10-11 heures de vol. Ladies and gentlemen, vous êtes bien arrivés à l'aéroport de Kaboul international. Merci d'avoir choisi notre compagnie. Des bisous, vous pouvez officiellement couper la musique maintenant. C'est qui les députés? Il s'agit de Denis Masseglia. Denis Masseglia est un député de la majorité. Et le deuxième député avec qui je vais jouer, c'est Hugo Bernalicis. Hugo Bernalicis qui est un député du groupe La France Insoumise. Bonjour Denis, bonjour Hugo, comment ça va? Ben ça va. Très bien et toi, Jean? Et ben ça va super, merci les gars d'avoir accepté mon invitation, merci beaucoup. Ok, c'était n'importe quoi. Je sais pas pourquoi j'ai... Au bot là? Ah, trash! Le mec sur le chat, il émerde encore des noobs, c'est drôle. Je vais mettre oui, mais des noobs députés. Le pire truc de connard. Recule. Non, il n'y a pas de tournoi de LOL à la Chambrée nationale. En même temps, et je le dis de façon assez sympathique malgré tout, on a un réseau qui permettrait pas de faire tournoi de LOL. Vu comment ça l'a glissé. C'est clair. Évidemment, on c'est fait clair. Un gros bisou à la DSI de l'Assemblée qui nous écoute. On vous embrasse. Vous savez que l'Assemblée nationale, c'est la seule chambre parlementaire du monde qui diffuse ses séances en 480p sur internet. Oh, pas comme ça. On m'avait dit que je jouais avec Jean et Hugo, mais on m'a pas dit que je jouerais tout seul surtout. Oh, ça va. Regarde-le. Je tiens à signaler que j'ai fait exprès de mourir. J'avais la flemme de back et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Ah si, c'est bon, en plus, ouais, c'est on les connaît, ouais. Tu vois ce qu'on subit au quotidien, genre dans les musiques, là, c'est juste impossible. Vous avez été courageux de vous prendre des raclées toute la soirée, mental solide, vous êtes pas en politique pour rien. Ah, c'est sympa, ah, vous êtes sympa. Right, let's go. Allô, Jean. Allô, ah, Zerator, putain. Jean, pour la run de Hades, c'est 00h30 et on ira dans un channel vocal. Mais moi je fais pas la run de Hades, j'ai jamais joué au jeu. Ok, bah désolé, je croyais qu'on m'a dit que tu la faisais peut-être, donc c'est pour ça que je suis venu te voir. Ça marche. Voilà, au revoir. Bisous. En vrai, je la fais ou je la fais pas? Je sais pas, j'y ai pas réfléchi. T'as quoi à perdre? Non mais rien, je sais pas. Non mais vas-y, en vrai, moi je suis chaud, hein, je la fais. Faut juste que je me renseigne sur les règles. Par contre, ouais, non, par contre, y a du pognon à perdre. Ok, donc le principe c'est simple, on commence tous au même moment. Le premier qui termine, il fait un don de 50€, le deuxième fait un don de 100€, le troisième fait un don de 150€, puis 200€, puis 200, etc. Et ceux qui finissent 8ème et plus, ils font un don de 400 balles. Non, vas-y, je suis chaud. Bah, au pire, je finis pas, hein. 500 si tu finis pas. Bonne chance. Bonne chance à tous. Bonne chance. Attention. Amusez-vous bien. On part dans 10, 9, 8, 7, ziz, zing, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Bonne chance à tous! Joyeux anniversaire LRB! A tout à l'heure! Merci encore! Ouais, non, c'était certain. Et c'est un abandon au profit d'Amnesty International. Oudil. Bonjour. Bonsoir. 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 Bonsoir.
Ça va se dérouler en 4 épreuves, d'accord ? La première, c'est de tuer le plus de Sims possible. Le deuxième challenge, c'est de refaire Zerator le plus fidèlement possible en 15 minutes. Le troisième défi, c'est de tomber enceinte le plus rapidement possible. Donc ça va se faire. Le dernier challenge, c'est réussir à pécho le plus de Sims en 10 minutes. J'arrive vraiment pas à les tuer, hein. Est-ce que vous vous en sortez tout le monde ? Pas du tout, hein. Pas du tout, il n'y en a aucun qui veut crever. Alors, il y a Jean Massier qui a deux sims. Ah, il y a un sim mort pour Jean, bravo. Mais j'en ai deux même, il y a MV et JDG. Et les autres sont en train de chialer comme des cons, ils ne veulent pas crever. Vous pouvez pas arrêter de chialer ? Vous pouviez d'ailleurs aussi séduire un sim pour faire crac-crac avec Mister MV. Mais non. Et du coup, le faire mourir de fatigue de crac-crac. Allez, let's go. Alors, Zerator, visage. C'est terminé. Bon, Jean Massier, franchement, c'est pas ça, mais ouais, c'est la première fois que tu découvres. Tu nous as fait le chanteur d'Oasis, Jean Massier. Je lui ai mis une veste. Eh, je suis le seul à lui avoir mis une veste. Vous avez tous mis un hoodie ou un t-shirt, vous êtes nuls. Ok. PSD. Bon, ok, donc là, je suis en train de draguer un mec à côté de sa meuf. Hein. Je pense qu'on est bien parti. Allez, chérie, là, faut qu'on fasse des enfants. Dépêche-toi un peu. Voilà, regarde. Je suis assis tranquillement sur le lit avec le mec. Il y a deux connasses qui débarquent dans la chambre, qui s'assoient l'une au PC, l'autre sur le lit. Vous pouvez vous barrer, bande de connasses ? C'est terminé. Est-ce que quelqu'un d'autre a réussi à procréer ? Oh là non. Oh là non. Non, non. Non, non, absolument pas. J'ai jamais été aussi loin de procréer de ma vie. 3, 2, 1. Go ! Boîte de nuit, let's go. Je suis dans une boîte de nuit, je suis en train de dormir sur un banc à l'extérieur. La soirée de la loose. Bon, si on récapitule, j'ai jamais réussi à tuer qui que ce soit dans cette baraque. Tomber enceinte, impossible. Pour le skin de Zera, ça allait pas du tout. Évidemment. Et alors là, draguer en boîte, je suis devenu en moins de 10 minutes le dragueur lourd des boîtes de nuit. Tu sais, celui qui va au bar, qui adresse la parole à absolument tout le monde et à qui personne veut parler. C'était absolument horrible. Nous sommes avec Julien Pagnac. Julien Pagnac est un copain, est un compagnon de route, qui a une chaîne Twitch lui aussi, et qui partage avec moi, et avec d'autres copains d'ailleurs, cette espèce de passion un peu malsaine et en même temps un peu rigolote, du voyeurisme, de l'archive politique. C'est-à-dire qu'on va voir des vrais professionnels de la politique, et qui passent leur temps à ne pas en faire, ou en tout cas, dont on va aujourd'hui regarder pas les moments les plus glorieux de la carrière. Alors, en attendant, je voudrais voir Claude François. Est-ce que Claude François est là ? Il a un superbe costume, il a un costume présidentiel. Je vais lui apprendre une chanson. Putain la vache! Aïe aïe aïe. Giscard qui joue du piano, qui joue douce nu au piano avec Claude François. Pas grand monde qui écoute. Déjà quand il prend le micro, que je t'aime! Je t'aime, c'est de l'énergie qu'il donne. Johnny, il donne, il est généreux. On sent qu'il se bat, on sent qu'il a la volonté de remonter sur scène. Solstice. Ça s'arrête jamais. Help me! Help me! Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. En fait, je veux juste dire, ça me fait marrer parce que j'aime bien comment il fait genre un peu, c'est pas visé, mais il rajoute dans un hôtel parisien le truc bien précis pour... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par contre, si c'est dans un hôtel nantais, il va le faire. Au volant de la voiture, Maxime Grémetz, député communiste, qui réclame la gratuité totale de cette autoroute, en partie payante. Il a forcé un barrage et va jusqu'à la tribune en voiture. Il a bousculé au passage un élu et un capitaine de gendarmerie. Je vous dis, ma voiture est cassée, donc vous allez la faire réparer. J'aime bien quand même le fait qu'il se ramène en bagnole sous la tente et du coup, y a des gens qui sont énervés. Et derrière, ils ont abîmé ma bagnole. Ta bagnole est au pied de la tribune. Alors vous allez la réparer, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez d'où ça vient, les fourches communes ? Oui, ça vient de la Vénus. Regarde-le. La Vénus, un consul romain qui a fait passer ses vaincus en 450 avant Jésus-Christ sous des fourches. Non. Ah.
et Georges Fresh, il bouffait les post-it. C'est un délire, c'est un délire. Alors, je suis actuellement sur le Discord d'Acropolis avec les gens du serveur Acrocraft, le serveur Minecraft de la communauté Acropolis. Pour un peu montrer ça aussi, un peu présenter pour tout le monde, on a décidé de faire un challenge qu'on appelle AcroGuessr. Découvrons le serveur Acrocraft. Alors, du coup, le premier. Putain, t'as refait l'interface, c'est incroyable. Là, je suis absolument persuadé que c'est l'hôpital du One Challenge. Et c'est bien l'hôpital du One. Et j'ai gagné, incroyable. Ah, qu'est-ce qu'il est beau, le galion, putain, le galion. Le galion de Tortuga. C'est la réponse un peu facile. Après. Ouais, mais il est beau, c'est l'occasion de le montrer aux gens. Regardez comme il est beau, le galion. Next, l'association des maires d'Acrocraft, l'AMA. Je me souviens que vous l'aviez foutu dans le quartier de droite, bande de cons. Quartier favori de Balkany et de Sarkozy. Ah, trop facile. Il n'y aura pas de shader sur la dernière image. Nous le ferons. Ça, c'est le logo d'Amnesty, c'est sûr. Ouais. Le futur logo d'Amnesty International. C'est vrai, vous allez le faire? On va vraiment le faire. On va te proposer même de poser la première. Pierre. Ah ouais, alors on va faire ça. Chers amis, c'est un immense honneur pour moi aujourd'hui que de poser cette première pierre de la future bougie d'Amnesty International qui va être posée ici sur ce serveur Acrocraft à l'occasion de ce The Event 2020. À l'heure où je vous parle, nous avons récolté collectivement 19 239,75 €. Nous sommes pile poil entre le tribunal et l'assemblée. C'est donc un lieu parfaitement symbolique pour la défense des droits. La défense des droits représentée par Amnesty International que nous sommes très très fiers de soutenir. Je pose donc cette première pierre. 3, 2, 1. Paf, c'est posé. Incroyable. Ouais. Incroyable, bravo. Putain, c'est beau. Merci à toi, merci de l'avoir préparé. Merci beaucoup à toute la communauté d'Acrocraft du coup qui a préparé ce jeu pour le The Event spécialement. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt. On en est où pour la présidentielle? Alors la présidentielle, on est à 69 € de ma candidature officielle pour l'élection présidentielle de 2022. Faut que je prépare une annonce, ça va être un tweet, évidemment, on est en 2020. Une candidature à une élection pareille, ça se fait sur Twitter, pas déconner. La République, c'est moi. Poloche qui lâche 70 balles, on est à 20 061 €. On a 20 070 €, pile poil, incroyable. On a donc réussi à dépasser De Gaulle en même temps, le premier à 20 000 balles, je déclare ma candidature à l'élection présidentielle, le suivant à 20 001 €, où je retire ma candidature à l'élection présidentielle. Je souhaite réunir les Françaises et les Français par-delà leur division et leur offrir une vision d'avenir qui s'articule non autour d'un programme mais d'un projet de renouvellement global de notre société. J'invite d'ores et déjà les forces vives de la nation à rejoindre le large mouvement populaire qui soutient ma candidature jusqu'à la victoire finale de cette élection. Ok, c'est bon, je tweet. Bam! Je suis officiellement candidat à l'élection présidentielle. Manuel Valls, 25 balles. Est-ce que je peux être Premier ministre, s'il te plaît? Merci Manuel, merci Manu. Écoute, je garde ton numéro de côté. Hein. Et moi, en vrai, Jean, je t'aurais bien raid. Bah oui, moi aussi, moi je suis bien chaud. Jean, hein. Bah volontiers, écoutez. Hein. Jean, il paraît Jean. Qu'il te reste plus. Alors, il moi j'ai un goal. Il reste 7000 balles, là, il manque 7000 balles. J'ai dit que si j'attenais ce goal-là, je lançais une émission hebdomadaire en plateau d'actualité politique sur Twitch. Pour inviter tous les candidats à la présidentielle. Ouais, pour 7000 €, c'est tout à fait dans la politique. Bah, de toute façon, tu m'as dit que tu pensais à Jean-Marie Le Pen comme premier invité. Absolument, absolument. Pour faire le buzz. Oui, c'est nécessaire. Évidemment, faut faire le buzz. Et Marion Maréchal comme chroniqueuse, évidemment. Évidemment. L'enfer. Ça donne même des plus petites sommes. Red JDG, merci les gens du JDG, merci, bienvenue, évidemment. Il y a la Team Pax aussi qui est là, putain, il y a la Team Pax. Voilà, donc là, il y a l'armée des 1 € qui est là. Vous êtes tous là. Il y a la Team Ponce aussi qui est là, visiblement. Il y a la Team Squeezie, il y a la Kenny Squad. Tu peux faire un petit rabais ou pas de 2000 balles? Et est-ce que tu peux passer à 35K? Oui, je peux. Genre, ça va à tout de suite. Ah ouais, non, d'accord. Ok, d'accord. Il est presque là, mon cher Jean, c'est presque fait là. C'est presque fait. 34 500, ça monte si vite. Tous les gens tuent, ils sont là. Vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable. Encore 150 €, encore 130 €. Ce que je vois. 120 €, 15 €, 3 €, 35 000 balles. Incroyable, bravo. Bravo Jean. Bravo, incroyable. Je tenais à vous remercier du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait ce week-end, c'est-à-dire vos dons, mais pas seulement votre présence, tous les moments qu'on a passés ensemble, tout ce qu'on a partagé. Merci à vous d'avoir été là, merci pour votre soutien, merci pour votre aide à Amnesty International. Évidemment, vous savez que ça me tient particulièrement à cœur que ce soit cette ONG-là qui reçoive nos dons cette année. La promotion de la défense des droits de l'homme, c'est consubstantiel à la démocratie, on a eu l'occasion de le dire avec la présidente d'Amnesty. Je suis très très fier, à titre personnel, d'avoir pu participer à cette aventure.
aventure extraordinaire. C'était particulier pour moi cette édition d'Easy Heaven parce que c'était la première, parce que à cause du Covid je n'ai pas pu être physiquement présent avec tous les autres, et croyez-moi la nouvelle a été très difficile à avaler. Jeudi, quand j'ai été contraint d'annoncer à Dash et à Zera que en fait je prendrais pas le train à 20h alors que j'étais censé être prendre le train, j'avais mon billet de train, tout était prévu, ma valise était prête, etc. Je commençais à faire des plans sur la comète en me demandant bon bah du coup qu'est-ce que je vais foutre de mon week-end. Je commençais à réfléchir à contacter des potes pour dire mais en fait je peux pas passer un week-end chez moi à regarder les The Event. En fait c'était émotionnellement pas gérable pour moi. Puis finalement Zerator a annoncé que voilà on allait pouvoir participer aux The Event à distance, et donc voilà, ça a été un The Event extrêmement intense émotionnellement. Ça a été très difficile pour moi d'apprendre je suis désolé, j'ai pas voulu réagir en direct en live quand j'ai appris vendredi ce qui s'était passé. Je suis désolé. J'ai préféré chialer tout seul dans mon lit plutôt que de le faire devant vous. Je suis désolé, il faut que ça sorte parce que voilà, on est dimanche. Il est bientôt 1h du matin, on a fini ce The Event. Et donc vous savez que pour moi c'est important que l'attentat qui a résonné, c'était un moment extrêmement dur. Extrêmement dur parce que c'est dans un contexte d'attentat que j'ai créé cette chaîne il y a 5 ans. C'est précisément à la suite d'un attentat comme ça que j'ai eu envie de me lancer pour vous parler de politique sur Twitch. Et que du coup, bah, les deux se sont mélangés ce week-end. Je me suis retrouvé dans un contexte similaire. Un truc qui fait appel à l'éducation, à la liberté d'expression, à la liberté de la presse. Et en même temps, bah, j'étais au The Event, j'étais là en train de vous motiver à donner de l'argent à Amnesty International. Et on l'a fait tous ensemble. Moi je trouve c'est extraordinaire, je voulais juste vous remercier pour ça. Excusez-moi pour ce week-end qu'on a passé ensemble. C'était hyper intense et assez difficile. Et en même temps on a passé des super bons moments. On s'est marré comme des baleines et on a passé des super bons moments. Et au final la seule chose qu'il faut qu'on retienne de tout ça, c'est qu'on a levé 5 700 000 euros pour Amnesty International. C'est extraordinaire. C'est la preuve qu'en un week-end dans le même pays on est capable de faire les choses les plus ignobles et les plus belles. Et que bah nous on a participé aux choses les plus belles, et que moi je trouve ça parce que c'est notre projet, et je trouve ça beau de montrer qu'on peut faire des choses qui ont du sens dans ce monde. En fait c'est possible, que c'est pas parce qu'on est en train de vivre les moments les plus hallucinants de notre histoire contemporaine qu'on n'est pas capable de faire des choses assez merveilleuses. Merci du fond du cœur. Je vais m'arrêter là, je vais mettre l'écran de fin de stream et je vous propose qu'on laisse tous passer un très beau moment à la fin de ce The Event sur la chaîne de Zerator. Merci à vous encore, merci à Zera, et je vous dis à très bientôt. Ciao, salut, bye bye.